Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 4 pour l'épisode 28. Donc je vous rappelle que la dernière fois, du coup, on a eu Katsuragi au téléphone, on lui a dit que on avait le fameux dossier document hein, que monsieur ainsi que Munakata aimerait posséder. Et du coup, on a dit qu'on voulait lui échanger ça contre, évidemment, bah, déjà les 100 milliards de yens qui ont été volés à Akiyama, qui était dans son coffre à Sky Finance. Et évidemment, bah, de relâcher les frères et sœurs Saejima, donc Taiga et Yasuko. Sauf qu'en échange, monsieur a dit « Ok, pourquoi pas, ça marche, mais viens tout seul, sur le toit de la... » pas la tour Millennium cette fois, mais de Kamurocho Hills. Donc quelque part, on y avait déjà été, hein, avec Ryuji Goda, quand la tour était déjà en construction. Elle était sûrement moins haute qu'elle l'est maintenant, d'ailleurs. Et donc du coup, il veut qu'on se rende là-bas. Et vu qu'il connaît notre réputation, d'ailleurs, il y avait une ligne de dialogue où il parlait justement de Nishikiyama et de Ryuji Goda. Il connaît un petit peu nos skills au combat, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il a dit qu'il y aurait des hommes... à lui partout sur place quoi, donc autant vous dire que là ça, on sera pas tranquille quoi pour aller jusqu'au, donc voilà. Alors du coup, avant d'y aller, forcément il va falloir qu'on se prépare. Donc déjà je vais prendre cette putain de clé parce qu'on l'a vu très longtemps pendant les phases de dialogue, donc je me permets de la récupérer maintenant. Puis tant qu'Emnark, si j'y arrive, je vais y arriver. Est-ce que c'est bon? Hop. Voilà. Donc voilà, donc faut que je me prépare forcément. Il va falloir quand même du sang. Et j'ai pas grand chose et j'ai pas beaucoup de thunes. Et je peux pas encore m'amuser avec les autres personnages. Donc je ne peux pas, entre autres, récupérer leur argent. Ce qui m'aurait bien servi actuellement. Donc il va falloir que je fasse 100 avec 43 000, bah autant vous dire, je peux pas faire énormément de choses. Donc je vais voir un petit peu sur la route s'il y a moyen de casser quelques gueules, ça permettrait de faire un peu d'argent, quoi, on va pas se mentir. Kage le fleuriste. Allô Kiryu, tu vas à Kamurocho Hills? Je crois que je devrais pas être surpris que tu le saches. Évidemment, vu que c'est un informateur. T'as oublié qui j'étais? Yumei already knows. Tu le sais peut-être déjà, mais l'entrée de Kamurocho Hills est ouverte maintenant. Et tu peux y accéder par les chiottes du West Park. Donc comme avant en fait, hein, parce que c'était fermé avec Taiga Sajima, si vous vous rappelez. On avait essayé d'ouvrir pendant qu'il y avait un mec qui nous chie, enfin qui chie à côté de nous, quoi. Donc voilà, c'était pour dire. Je suis sûr que tu t'en rappelles. Ouais, d'accord. Donc ouais, il nous a appelé pour dire par où on peut passer. Donc du coup, avant d'aller à l'infirmerie, ouais, faut que... Enfin, la pharmacie, il faudrait que je casse des gueules. Ah, mais si c'est pas... Yuya. Je sais d'où tu viens, calme-toi une minute, Shinya. Tu sais d'où je viens? Qu'est-ce que tu sais tellement doux? Je sais pas, sauf ça veut dire ça, hein. Tu connais les règles, si un client ducks out, putain ils font chier avec leurs expressions à la con, c'est la responsabilité de l'hôte. Bon, j'imagine qu'en gros il avait une ardoise et du coup c'est de la faute de l'hôte. Et Mitsuru, vous savez, et le savait en gros quand le client a, quand il a laissé le client de commander une grosse table, enfin, demander plus de choses que qu'il en avait les moyens. Quoi. Tu as raison, sur le client, il marche dessus, en gros, voilà, c'est les autres qui trinquent. Et j'ai vu ce qui s'est passé aussi. Je sais que c'est pas facile pour Mitsuru. He's been the same. Mais il prend vraiment son job au sérieux et il pourrait vraiment apporter de bonnes choses au business. If we can... Si on peut passer au-delà de cette erreur, je suis sûr qu'il va en apprendre et que tout se passera bien pour la suite. Quoi.
Voilà pourquoi j'ai décidé de l'aider un petit peu. T'es en train de me dire que le Stardust va digérer ses 5 millions de yens de dette? Non, il va les payer en retour. Mais je veux lui donner un peu de temps. Donc en gros, le Stardust va couler en très peu de temps. Kazuki n'aurait jamais laissé passer un truc comme ça. Bon, apparemment, Yuya galère à gérer le Stardust. Donc là, il dit les problèmes ont l'air d'être. Attends, ce. Les problèmes sont tellement énormes que t'es obligé d'en parler à l'extérieur. Enfin, qu'il en est obligé d'en parler à l'extérieur. Monsieur Kiryu, je ne savais pas que vous étiez de retour à Kamurocho. Ouais, j'ai quelques affaires à régler ici. Si j'avais su, je serais venu vous voir, quoi, je pense. Par des formalités ou je sais pas quoi. Est-ce que tout va bien au Stardust? Toi et ce gamin, on aurait dit que vous êtes en train de vous embrouiller. Désolé pour ce que vous avez vu. Quel est le problème? C'est un hôte qui s'appelle Mitsulu. Il a laissé un client. Enfin, en gros, creuser sa dette et. Du coup, il y en a pour 5 millions d'yens. Ouch. Mais j'ai entendu que ça arrivait tout le temps. Mitsuo travaille durement et il est assez bon en affaires. C'est juste qu'il n'a pas trop de chance. Il n'a pas eu trop de chance cette fois. Alors je veux l'aider en retour. Ah, ça c'est Yuya que je connais. Vous pensez que je suis trop bah du coup et trop doux, trop gentil avec eux? Shinya dit m'appelle le doux entre guillemets maintenant et Kazuki m'appelle aussi le doux, enfin mec gentil. Tout ça, je veux juste aider mes hôtes en gros, du mieux que je peux quoi. Mais vous n'avez pas besoin d'entendre tout ça. Et puis venez, venez au club. Non, je dois retourner au club, pardon. Il faut que je continue à faire tout ce qu'il faut pour que le Stardust reste le numéro 1 des clubs à Kamurocho. J'apprécie que vous soyez intéressé par la cause, entre guillemets. Je ferais mieux de voir ce que Kazuki a à dire aussi. Bon, on verra plus tard, mais ça pourrait être intéressant de voir ça. En tout cas, ça fait plaisir de voir Yuya, parce que pareil, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. On passe souvent devant le Stardust et tout, mais forcément, avec les autres persos, on ne se connaît pas. C'est logique. Donc, du coup, bon, est-ce qu'il y a des racailles à péter? Parce que là, je vois personne. Et je vais pas me faire beaucoup d'argent. Bon, souvent il y en a là-bas, donc je vais espérer que. Toi non. Putain, mais il y a personne, c'est bizarre. On va aller par là-bas, peut-être autour de la pharmacie, il y a peut-être des mecs. C'est quand même chelou ce truc. Il n'y a aucun bonhomme dans les rues, quoi. C'est bizarre ça quand même. Attends, je vais aller voir là-bas quand même. Je comprends pas là, c'est. Ah, peut-être lui, c'en est un ça. Je pense. Voilà. Putain, enfin quoi. Ils sont tellement peu nombreux quoi. C'est un truc de fou. C'est la crise ou quoi? Ils ont tous mis au placard. C'est là où j'en ai le plus besoin, limite. Merde, je me suis foiré. Que je me retrouve stone. Allez, réveille-toi. Alors oui, par contre, j'ai oublié d'augmenter mes habiletés. Tout
peut-être le faire maintenant, ça va m'aider en combat. Qu'est-ce que je voulais augmenter déjà? Ah mais tout ça j'ai déjà augmenté en fait. Essence of Smoking, ah oui ça je vous l'avais montré avec Yakuza 3, je croyais que c'était supprimé mais en fait ça a marché quand même. Bon elle est peut-être un peu différente, je sais pas mais... En tout cas ça y était. Là je vais augmenter tous les trucs de Komaki parce que c'est bien pratique en combat. Donc ça a double kick, c'est cool. Ça c'est ouais en gros leur choper le bras quand ils essayent de te choper. Pole dancing. Je pense gros tu mets ta... enfin, tu mets tes jambes sur sa tête et hop tu fous ça. Pourquoi pas. Encore 3 points. Autodestruction en attaque. Ah d'accord, ok, ouais, tu sautes à pieds joints en gros sur le mec avec l'objet en question. Donc voilà, tout ça c'est bon, j'ai regardé ce qui coûte 2 points, parce que là, 1 point, le reste c'est loqué. Ils me disent pas pourquoi d'ailleurs. Ah si, Tortoise Spirit, d'accord. Je peux aussi. Bon, tout ça c'est upgrade, c'est bon. En fait, je crois que je peux plus rien upgrade, parce que... Ah si, Tortoise Spirit, autant pour moi. Hop, voilà. Là ça y est, je suis à poil, c'est bon. Par contre le mode fièvre il arrive quand même, parce que là j'arrête pas d'en mettre des patates, j'ai toujours pas le mode fièvre. Voilà. Il n'y avait pas une clé à molette tout ça? Je pensais. Ah si elle est là, merde. Voilà, mange-toi ça. Bim, dans vos gueules. Ça fait toujours aussi mal ce truc là. Allez, on se lève, mon garçon. Bah alors, ils vont me donner combien? 5 millions, putain, vas-y, c'est la dèche, là. Puis j'ai rien à vendre, en plus. J'ai pas envie d'y passer toute la vidéo, quoi, j'aimerais bien lancer dans le scénar. Bon, c'est pas grave, écoutez, on va... Je vais utiliser ma clé, déjà, que j'ai récupérée, là. On va voir ce que ça vaut. Ça se trouve, c'est un truc qui vaut cher, on ne sait pas, on verra. Souvent la surprise de ce côté-là. Puis après, je vais aller à la pharmacie. Au pire, je serai pas full, j'irai comme ça en combat. Je pense pas que ça posera de réels problèmes. On va dire que je maîtrise assez bien le gameplay de Kazuma, donc... Même si ça peut être difficile techniquement, voilà, je connais assez bien le perso pour me démerder. On va la jouer comme ça, parce que sinon, là... Le temps que j'accumule de la thune, ça voudrait dire que je fasse des quêtes, sauf que les quêtes c'est long, en plus je dois les traduire en même temps, donc c'est encore plus long, etc, etc, enfin bref, c'est compliqué. Merde, bon, ça vaut rien, c'est super. Trop lolol. Ouais, par contre je vais pas prendre de la stamina XX parce que ça coûte trop cher. Je vais aller au convenience store, là-bas au fond. Et je vais acheter des sushi sets. Ce qui me semble de mémoire que ça soigne assez bien et ça coûte beaucoup moins cher surtout. Là, je crois que c'est 2300 ou 3000 yens, je sais pas. Bon lui on va le fighter vu qu'il est à côté. Ça fera toujours un petit peu plus de sous. Woo!
Alors, combien tu balances, toi? Bah putain, ton Inner Plus, c'est de la merde. Il m'aurait donné un petit Toughness. C'est pas super super, mais ça soigne. Mais ton Inner Plus, j'en ai vraiment rien à foutre. Donc, direction le M-Store. Et on va acheter des Sushi Sets. Ou l'équivalent, je sais pas si ils en ont. Bon, en général, il y en a partout de ces trucs. Là. Ça, une petite clé. Bon, je vais pas faire le chemin inverse pour vérifier ce qu'elle ouvre comme casier, on verra plus tard. Sinon, on va pas y arriver. Alors, du coup. D'accord, ils vendent des magazines, pourquoi pas. Ça, on s'en bat les couilles. Alors, il y a pas mal de trucs nouveaux, mine de rien, j'ai l'impression. Enfin, ils ont changé les visuels, du moins, parce que, genre, Oden Soup, ça avait pas ce visuel, non, je crois pas. Du coup, ouais, soit j'ai le bento comme ça, il me semble que ça soigne pas trop mal, mais je pense que le mieux, voilà, c'est les Sushi 7, quoi. Ça vaut 3500 en plus. Je regarde au cas où ce qu'ils vendent à côté, parce que je me rappelle plus trop, vu qu'il y a des nouveaux trucs, des fois. La farine. Pepper, c'est du... C'est pas du poivre, non? Il me semble. Batterie, bref. On va prendre ça, du coup. Sushi 7. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai plus de thunes, mais c'est pas grave. Et non, je vais pas me soigner, je vais aller à un petit restaurant, je vais aller au Kandrai, tiens. Comme ça, on fera un petit clin d'œil à Anna, puisque Anna, je vous rappelle, c'est la secrétaire d'Akiyama qui est partie, hein, puisqu'elle est... Amoureuse d'elle, d'elle, lol, amoureuse de lui, pardon, mais ça a pas l'air d'être réciproque. Puis elle est un peu jalouse du coup, vu que Akiyama est à fond sur Lily ou Yasuko. Du coup, elle s'est barrée, elle a démissionné. Et si vous vous rappelez, bah, quand elle était au téléphone avec Akiyama, elle disait qu'elle allait passer au Kandrai pour acheter. Bah, bento, je sais plus quoi, deluxe, je sais plus quoi, c'était un noir à l'ombre. On va dire que c'est un petit peu son fournisseur officiel de bonne bouffe. Donc, voilà, on lui fera un petit clin d'œil là-bas comme ça. Allez, on se réveille. Vers l'infini et l'au-delà. Non, ça va, il l'a pas envoyé valser aussi long. Je me rappelais pas par contre qu'on pouvait tenir la patte d'un mec qui est frappé en même temps. En soi, je vois pas pourquoi ce serait pas faisable, mais qu'ils y aient pensé, je me rappelais pas en tout cas. Alors ça, par contre, ça me fait déjà un peu plus plaisir que ton Toriner plus pourri, mais en même temps, ton Toriner plus, je peux m'en servir au pire. Attends, je vais me débarrasser du petit moteur. Donc du coup, le Kandrai, c'est par là-bas. En même temps, c'est sur la route, donc c'est pour ça que j'ai choisi le Kandrai, parce que sinon j'aurais pas pris ça. Bon, après, il y a rien d'autre en restaurant, hein, là, sur le chemin... C'est club d'hôtesse, club d'information ici. Donc, ouais, à part le Kandrai, pas grand chose à bouffer. Quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va manger? Donc, je vous rappelle, le Kandrai, c'est spécialité barbecue coréenne. Enfin, car coréen, pardon. Parce que c'est un barbecue. Alors, j'ai pas énormément de sous. Donc, on va pas commander un truc de fou non plus. Ils font pas des tripes normalement ici. Je veux dire pourquoi tu veux bouffer des tripes. En fait c'est un clin d'œil plus ou moins à Yakuza 5. Pour ceux qui ont joué et qui passent par là. Je pense que vous voyez de quoi je parle mais ouais j'arrive pas à en trouver. Non. Bon, c'est pas grave, on va pas y passer la nuit, hein, je vais prendre celui-là. Voilà. Apparemment, ça c'est de la langue de bœuf, de ce que j'ai compris, je crois. Voilà.
Enfin, de bœuf. C'est de la langue, en tout cas. Langue salée, mais après, de quoi? Je pensais du bœuf, mais après, je sais pas. Et du coup, je reviens à 0 yens. Je suis pauvre, littéralement. Donc voilà, ça, c'est OP. Et puis maintenant, bah, direction le parc ouest. Et on va aller du coup à Kamurocho East. Donc on le voit là. Déjà on voit que la construction est un peu plus évoluée. Parce que c'est vrai qu'on n'y est pas repassé depuis. Mais vous voyez que c'est plus haut déjà. Et puis là on voit l'espèce de façade. Une espèce d'entrée devant avec d'autres bâtiments. Donc ça se précise. Ah merde. J'avais pas prévu de tomber sur une racaille. Bon c'est pas grave au pire. Ce sera toujours un peu dessous. Ou un objet en plus. La bonne vieille bicyclette pour achever ses ennemis, il y a que ça de vrai. Ah, 3000 yens, parfait. Je pourrais m'acheter à bouffer au cas où. Même si j'ai ma réserve, on ne sait jamais pour la suite. Pourquoi il veut pas rentrer? Ah, c'est par là, ok. Ah, je m'étais encore fait piéger l'autre fois aussi avec Saijima. Je sais pas, mais avant il me semblait que c'était à gauche en fait qu'on rentrait, c'est pour ça. Donc voilà, les fameux hommes du clan Ueno. Et il y en a partout. Donc on va s'amuser. Évidemment, ils ont tous des armes de fou en plus. Ça y va, les armes blanches, je vais prendre cher. Ce serait préférable que je me fasse pas trop toucher par ces mecs. On va éviter de se manger la masse de l'autre, hein. Si je dis ça, je me la mange. Ah, il a plein de vie en plus. Voilà, ça c'est torché. Attention, j'arrive. Je me relève, t'inquiète. Je sais pas ce qu'il a dans les mains, mais il y a quelque chose. Un petit couteau peut-être. Alors je le récupère. Aïe. C'est vraiment un fucking sac à PV. Allez. Voilà. Putain, j'aurais bien récupéré sa masse, mais il me laisse pas le choix. Alors, je vais prendre un petit sushi. Hop. Voilà, ouais, parfait. Ça soigne déjà plus de la moitié, donc c'est cool. Je vérifie qu'il n'y ait pas de clé ou d'objet. Ah,
Mais il a même pas le temps de se relever, je le dégomme partout. J'aurais bien ramassé l'autre objet là, par contre ça m'arrange pas ça. Qu'il fasse un finish comme ça. Ah non, c'est bon, il laisse faire. Ah, ça m'aurait mis le seum quand même. C'est pas où la suite là? Par là? Ah ouais. Je pensais que c'était pas. Je pensais que c'était à gauche. Donc voilà, la fameuse entrée. Bon, pour l'instant, ça va, ça se passe pas trop mal, malgré que les mecs étaient quand même bien équipés en armes blanches. Je me suis quand même bien débrouillé, ça va. Le mec, il prend la pause. Il trouve des techniques pour essayer de nous la mettre à l'envers, c'est n'importe quoi. Coup de boule de daron. Ouais, c'est bon, ils vont pas me choper tous. Et on se calme, là, lâche-moi, toi. Genre, il me fait voler, tu sais. Faut qu'il me frappe avec un mannequin. Au calme. Clac, ça t'apprendra à vouloir m'attraper. Allez, autre coup de boule. Il en a tant besoin, lui, hein, parce que vu la barre de vie qu'il a. Alors j'ai peut-être me soigner, parce que j'ai un petit truc. Bon, au pire j'utilise ça. Ce serait dommage que je néglige ce soin. Bon, c'est bon, il va se calmer l'autre avec sa matraque là. C'est pas un random qui va me faire mal quand même. Mais lol, c'est chaud. Allez. Heureusement qu'ils sont pas tous équipés de cette arme, parce que là... Salaud. Ah dommage, j'aurais pu lui en mettre une bonne là. Voilà. Saloupio. Ah, s'il prend la fuite, ça veut dire qu'on va le revoir ce mec là. Qu'est-ce qu'il y a par terre? C'est ça? Ouh, ouais je le prends. Bon, il n'y a pas beaucoup de vie, mais bon, ça peut servir. Habilité, du coup, qu'est-ce que je peux augmenter? Balance. Ça c'est... Ouais, donc c'est plus difficile de nous étourdir, en gros, quand on est en mode fier. Là, pareil, c'est la suite logique. Alors, on peut se remettre en garde rapidement, un truc comme ça, contre les armes blanches, pourquoi pas. On voit du coup un petit peu à quoi ressemble en détail, enfin globalement, parce qu'on voit pas trop non plus. Mais... On voit entre guillemets à quoi ça va ressembler avec Amuro Choice. C'est immense, hein, clairement. Une espèce de galerie marchande énorme. Je
Ouais, ça va, je les enchaîne assez bien. J'ai même, je me soigne pas trop souvent. Oh, ça, ça fait mal. J'aurais pas encore fait cette attaque. Alors, je récupère le petit soin. Ah merde, je suis pas plein. Bon, attendez, je vais prendre un petit sushi. Hop là. Ouais, ça soigne de ouf, n'empêche. En plus, ça coûte pas cher. Bon, par contre, ça vaut pas stamina X ou pire encore, parce que ça donne pas de la fièvre. Mais au moins, c'est encore une fois un moyen de se soigner sans que ça te coûte extrêmement cher. Donc là, j'imagine que c'est par là la suite. Ok, je vais vérifier juste au cas où s'il n'y a pas de son ou quoi. Ah, le retour. Il a bien cassé les couilles encore. C'est quoi, c'est une espèce de bloc de carton, je sais pas, bizarre. Ah, c'est un fer à repasser que j'aime. Je sais pas, j'arrive pas à voir ce que c'est. Ou un contrepôt, je sais pas, c'est bizarre. Limited bag from Camo Choice. Non, c'est un sac. Bon, un sac rempli de quelque chose, en tout cas, du moins. Un sac édition limitée de Camo Choice. Enfin, ok, c'est assez particulier, ça. Voilà, déjà il résiste moins quand même, par rapport à tout à l'heure. Bon, il fait toujours aussi mal par contre. Putain, à chaque fois il me stone, c'est ça qui est relou en fait. C'est ça qui fait perdre du temps, parce que chaque fois il te fout au sol comme une vieille merde. Salopard. Bon, est-ce qu'il va me laisser finir? Voilà. Bon, c'est bon, là, il me foutra plus la paix cette fois. Enfin, il me foutra la paix plutôt. Donc, je récupère son nouveau bâton de police et je repop ici. Et il y a un mec avec un flingue. Et monsieur prend la fuite. Ouais, c'est pas en courant que tu l'as réglé l'affaire, le mec qui arrête pas de s'en aller. Bon, t'as fini. Voilà. Hop, donne-moi ça. Attendez, il y a deux chemins ou quoi? Non. Lui, on dirait que c'est le daron de la zone. Il a l'air d'être chaud. Alors, il y en a un qui a un fusil à pompe. Alors toi, je vais essayer de te calmer. Putain, il va me mettre très mal, lui, avec son fusil à pompe. Putain, faut que je me débarrasse de ce pistolet. Ah, putain, salaud. J'arrive pas à le mettre au sol en plus. C'est un bim. Le vieux kick de mort dans sa gueule. Quoi.
Allez, encore un petit coup. Voilà. Et si tu permets, je récupère l'engin, évidemment. Forcément. Alors, petit sushi, hop, et c'est reparti. Je tourne au sushi. Quand vous avez beaucoup d'ennemis à affronter, mangez des sushis avant, ça fonctionne bien. Alors la suite, il reste un mec? Attendez, j'ai un mec avec une barre de vie, il est où? Je l'ai pas vu. Où est-ce qu'il est? Il y a un problème, je le vois pas. On va avancer, on va voir, c'est bizarre. Parce qu'il a pas beaucoup de vie, donc techniquement, ça veut dire que j'ai déjà blessé. Sauf que là, je vois personne. Ah, il est là. Mais qu'est-ce qu'il... Ah, qu'est-ce qu'il fout là, les mecs? Ah, c'est pour me la mettre à distance. Ok. Pourquoi pas. Alors, j'évite de tirer dedans, parce que autant garder mes munitions pour des mecs. Moi, je vais pas tirer dans la barricade, ça serait con. Ah, merde, j'ai oublié de prendre l'objet. Ah, le retour. Il veut un duel. C'est l'heure du duel. Battle de pompe. J'ai plus de balles. Oui, il a pas de soucis, il a mis sur une unité, ce gars-là. Connard. Putain, il m'enchaîne en plus. Mange. Putain, décidément. Ça ne s'arrête jamais. Comme si on n'était pas habitué à ça. Boum. Ils ont presque plus de vie là. Voilà, dégage. Putain, évidemment, il y en a deux qui se pentent. Je me suis dit, je vais être un peu près libre pour péter le dernier là, avec son pompe, mais il y en a deux qui se pentent. Alors, je vais peut-être me soigner. Comme ça, je récupère l'objet. Hein. Voilà. Dans vos gueules. Alors, je vais peut-être augmenter mes habiletés, on en profite. Alors, est-ce que tout est à fond, là? Non. Ah ouais, du coup, il y a ça qui s'est débloqué. Ça, je suis pas près de la mort, celui-là, c'est 4 points, quoi. C'est chaud. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Après, c'est que du 4 points, quoi, donc il y a le time, hein. C'est dans deux niveaux, le bordel. Et c'est quoi, ça? Un spray? Ok, on sait ce qui nous attend. Bouffe le spray de premier secours. Il t'aura pas été d'un grand secours. Lololol, le MDR. Alors là, il y a plusieurs barricades, je crois qu'il y a plusieurs chemins pour venir au même endroit. Tant qu'à faire, autant tous les prendre pour choper tous les objets possibles. Coucou toi, j'imagine que tu as un pistolet, voilà. Donne-moi ça, merci.
Alors. Voilà. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ici, sinon? Ça, c'est labyrinthique de ouf. C'est une petite barre de fer, ça peut servir. Je vérifie ce que... Ouais, ici, j'étais pas allé. Est-ce qu'on voit la map d'ici? Ah, voilà. Ok. Je sache un petit peu les endroits où j'ai été environ, parce que sinon on va pas y arriver. Coup de marteau dans ton gueule, viens par là. Je prends le gun. Dégage. Alors, il y avait quoi ici? Ah merde, je crois que c'est la suite, ça. Bim. En plus, j'aime bien chaque fois t'as un vieux bruit de métal, quoi. Genre, les mecs, ils ont des têtes de fer. Hashtag Shaolin Soccer. Non. Ils prennent cher là. Il va finir dans le coma. What? Ok, comme si on n'avait pas eu assez, t'sais. Ok. Ah, du coup, c'était une petite pièce un peu spéciale, quoi, j'ai envie de dire. Pourquoi pas, mais il n'y a pas d'objet particulier, en fait. C'était juste pour casser des gueules, quoi. Ok. Pourquoi pas. Alors attendez, je regarde de nouveau la map. Voilà, bon, techniquement j'en viens, mais je vais voir s'il n'y a pas d'objet. Il n'y a rien. Attends, c'est chaud. Genre, il y a un cul-de-sac sans cadeau. J'ai été étonné, autre... enfin, j'ai été habitué à autre chose de la part de Yakuza. Alors, je vais prendre le pied de biche, ça ne vous dérange pas. Si tu me laisses le prendre, bien sûr. Voilà, là vous allez moins faire les malins. Le retour de l'arme redoutable. J'ai même pas besoin de taper, c'est rare, il faut se faire chier. Ah merde, du coup je les ken. Ah, c'est ça qui est chiant à chaque fois. Alors, il y a encore deux entrées possibles. Bon, les deux sont bonnes à prendre, j'ai envie de dire. Fais le malin, j'arrive. C'est quoi, c'est une clé à molette? Ah non, c'est le marteau.
Alors, je suis où encore bon, je vais continuer par là, s'il y a peut-être des trucs. Cul-de-sac. Et là, ça me ramène en arrière, je pense. Ouais, c'est ça. Ok. Attendez, je suis sur le... Non, je suis pas sur le bon chemin. C'est par là. Parce que là, ça commence à devenir un petit peu labyrinthique, cette histoire. Vu que tout se ressemble, je récupère la petite batte. Et je pense que la suite, du coup, ça doit être par là. Quoique. Oui et non, en fait. Ah, on peut pas passer ? Attendez, là, c'est un cul-de-sac. On peut pas passer là. What ? C'est quoi ce labyrinthe de fou ? Bah non, parce que tout au fond c'est coincé aussi. Je comprends pas le délire. À moins que c'est là-bas que je dois aller. Ah non, là c'est pareil, c'est fermé. Bon, c'est bizarre là, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bah, je pense que c'est par là la suite. Je sais pas. J'ai vu qu'un seul passage. Donc j'y vais au pif. Bah non, c'est un cul-de-sac aussi. Mais lol, c'est quoi ce délire? Ça doit être par là, non? Je sais pas. Ah ouais. En tout cas, vous l'aurez compris, il y a vraiment beaucoup de mecs du clan Wenu Sewa qui nous attendaient. Hein, et vu où on en est dans la vidéo, je pense qu'on n'aura pas l'occasion de voir Katsuragi dans cette vidéo. Parti comme c'est, le nombre de mecs. Je crois qu'on arrive bientôt au bout, il me semble, mais bon. D'accord, de la marge. Mais en même temps, vous doutez bien que quand on verra Katsuragi, bah, il y aura plein de cinématiques et compagnie. Donc ça va être compliqué d'avoir tout ça dans cette vidéo. Voilà. Allez, le petit dernier pour la route. Où est-ce qu'il va? D'accord. Monsieur s'en va, ok. Si tu veux. Peut-être prendre une autre arme. Tiens, la masse, ça peut être pas mal, ça. Bon, c'est un peu lourd à trimballer, mais ça peut être amusant. Ouais, c'est même très lourd, quand même, à utiliser. Exceptionnellement, on va dire qu'on en fait usage. Allez, lève-toi. Voilà. Alors, du coup... Ah... Ça, je dis oui. Hop. Tiens, le ver de terre, je vais le jarter, parce que ça prend de la place, en fait. Puis bon, si vraiment c'est nécessaire plus tard, j'y reprends, mais... Mais voilà, quoi. Et encore, quoique, je sais même pas si j'en aurais besoin, en fait. Vu qu'on retourne pas à Okinawa... Enfin, si, après, il y a les docks pour pêcher, éventuellement. Enfin, bon, on verra ça plus tard, quoi. Allez, on se lève, monsieur. Genre, il est pas mort. Attends, il est mort ou il est pas mort? Oui, il a disparu, je pense qu'il est mort, du coup. Poser la question.
Voilà, double dose. Je vais pas tarder à level up encore, ça sera pas mal. Même si je sais pas si ça va suffire, hein, parce que vu qu'il faut 4 points. Je sais pas s'il m'en restait en fait, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Profitez-en. J'arrive, voilà, je prends ça, et là on va voir qui c'est qui gagne. Voilà, dégage, toi aussi. Putain, j'adore cette arme, truc de fou. Hein. Voilà. Donc du coup, nous on va s'arrêter ici, parce que là on a déjà bien avancé, et puis voilà, comme je vous ai expliqué plus tôt, c'est compliqué de tout avoir dans cette vidéo. Donc on va s'arrêter là. En tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, et puis on se dit à la prochaine, du coup, pour la suite de notre épopée dans la construction de Majima, hein, Kamuro Chōis. Et puis on verra du coup ce fameux Katsuragi. Et on verra du coup comment se passe l'échange, s'il respecte ses engagements ou quoi. Vous verrez tout ça dans la vidéo suivante. Voilà. Allez, à plus !